Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les systèmes asservis linéaires en filière PSI. Ça peut intéresser aussi les étudiants, les candidats qui préparent le concours d'agrégation. Donc, les systèmes linéaires asservis sont des systèmes essentiels dans de nombreux domaines. Par exemple en robotique, en ingénierie ou encore en automatisation. L'objectif sera de comprendre leur fonctionnement et leurs applications à travers des exemples concrets. Donc les systèmes asservis linéaires sont des systèmes qui sont représentés comme suit. Donc on a leur structure. Donc on a un comparateur, suivi d'un actionneur, et on a une boucle en fait. Donc c'est un capteur. Donc on a le capteur qui va reprendre on va dire le signal de sortie et va le réinjecter à la signal d'entrée par le comparateur. Donc entre le comparateur et l'actionneur, on a Y. Donc Y, c'est une fonction qui dépend de la tension d'entrée et de la tension au banc du capteur. Donc CS, donc CES, CT, donc la tension au bord du capteur. Donc un exemple très utilisé en électronique, c'est l'amplificateur linéaire intégré à rétroaction négative. Donc ici on a utilisé un amplificateur opérationnel et on a utilisé donc deux résistances R1 et R2 sur l'entrée inverseuse. Donc l'entrée non inverseuse, on a un signal E de T et la résistance R1, il est relié à la masse. Donc ce qui est en rouge, donc le bloc en rouge, c'est ce qu'on appelle donc il joue le rôle du comparateur et actionneur dans cette structure. Le bloc en bas en bleu, il joue le rôle du capteur. Et le Y, donc il y a la tension V plus moins V moins, il joue le rôle de cette fonction qui est entre le comparateur et l'actionneur. Donc Y est égal à V plus moins V moins. V plus, c'est la tension d'entrée et V moins, c'est la tension banc du capteur. Donc c'est SC de T. Alors maintenant, on va définir la transmittance d'un système asservi linéaire. Voici le schéma fonctionnel d'un tel système. Donc on a une entrée E de T, donc on a ce symbole qui représente donc sommateur et soustracteur. On a le signal Y de T qui va rentrer dans la chaîne directe et ensuite on reprend le signal de sortie S de T et on va le réinjecter dans l'entrée par la chaîne de retour B. Donc le signal d'entrée A, c'est Y et son signal de sortie, c'est S de T. Le signal d'entrée de B, c'est S de T. Donc là, il faut faire attention parce que le courant, on va dire, qui passe par là. Donc c'est-à-dire que l'entrée de B, c'est S de T et la sortie, c'est R de T. Donc le A, donc la fonction A, elle est définie par la sortie sur l'entrée, donc S de T sur Y, et B, c'est R de T sur S de T. Ici, on a Y est égal à E de T moins R de T. Donc E de T est égal à moins B S de T. J'ai remplacé R de T par B fois S de T d'après cette relation. Donc la transmittance H, donc c'est comme la fonction transfert en électronique. Donc c'est S de T sur E de T. Donc c'est ça. On simplifie par Y et donc on trouve la relation suivante. Donc la fonction transmittance H, c'est A sur 1 plus A fois B. Et là, on a un exemple, donc l'exemple de l'amplificateur opérationnel. Les coordonnées de l'exemple. Donc Y, c'est V plus moins V moins. Et la dernière fois, on a modélisé l'amplificateur opérationnel par un filtre passe-bas. Donc là-haut, c'est un filtre passe-bas. On a trouvé ça la dernière fois. Donc voilà. Donc c'est la dernière fois qu'on a fait le cours sur, donc sur
amplificateurs opérationnels, on a trouvé en fait que l'amplificateur opérationnel, c'est comme un filtre passe-bas avec la fonction transfert d'Hello IAD. Donc je vais la recopier. Donc le filtre, donc c'est un filtre passe-bas d'ordre 1 avec une fréquence de coupure qui vaut 1 sur taux. On a trouvé aussi que la tension de sortie donc est égale à mu epsilon, parce que en fait la transmittance dans ce cas-là, il y a mu bar. Au mu bar, il y a S de T, donc la sortie sur l'entrée, il y a epsilon. Donc le terme ici qui joue le rôle de A dans la chaîne fonctionnelle, donc dans le schéma fonctionnel du système asservi, à l'icône A est égal à mu 0 sur 1 plus j oméga au taux. Donc taux, là, il y a 1 sur oméga c. Donc c'est oméga c, donc la fréquence de coupure. Donc ça c'est le A, d'après le schéma fonctionnel. Parce que A ou A, donc c'est S de T sur Epsilon de T. Voilà. Ensuite, on va chercher le B. Donc B, c'est la chaîne de retour. Et la chaîne de retour ici, donc, de la résistance R2. Donc la chaîne de retour, il y a SC de T, il y a V moins, sur la tension d'entrée, il y a la tension de sortie de A, sur S de T. Donc c'est V moins sur mu epsilon, parce que S de T c'est mu epsilon. Et donc d'après A, la transmittance, donc la transmittance par définition, c'est AH est égal à A sur 1 plus AB. Donc A sur 1 plus AB est égal, et on remplace les expressions par A et par B. Donc voilà le A et voilà le B. Il faut multiplier deux fois. Voilà 1 sur ça, 1 plus mu 0 sur 1 plus g oméga sur oméga c. Donc ça c'est A et ça c'est B. Donc ce qui va me donner mu 0 sur 1 plus mu 0 b sur 1 plus g oméga sur 1 plus mu 0 b fois oméga c. Voilà, donc j'ai tout simplement modifié l'expression, donc je l'ai simplifié. Ensuite, donc le terme qui est au numérateur, on va l'appeler H0. Et le terme au dénominateur, on va l'appeler 1 plus G oméga sur oméga C. Donc maintenant, on a H0 est égal à mu 0 sur 1 plus mu 0 B. Et la fréquence de coupure, on va l'appeler maintenant grand WC, parce qu'il est différent de petit WC. Radis qu'on y a oméga C fois 1 plus mu 0 b. Alors maintenant on va transformer à de l'expression AD, puisqu'on sait que c'était ça, c'est S de T sur E de T. Donc on va essayer de la transformer en équation différentielle réelle. Donc pour la transformer en équation différentielle réelle, g oméga c'est la dérivée, et 1 sur g oméga c'est l'intégrale. On va essayer de faire ça. Donc ça me donne donc H0 sur 1 plus g oméga sur grand oméga c fois E de t est égal à S de t. Donc c'est H0 E de t S de t plus g oméga S de t sur oméga c. Donc g oméga fois S de t en réel, donc ça me donne H0 E de t
est égal à S de T plus 1 sur grand oméga C D de S D de S de T sur DT, mais sans la barre parce que là, on doit fleurir. Voici l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle, ici, il va être sous la forme suivante. S de t est égal à une constante fois l'exponentielle de moins oméga c de t. Et lorsque t tend vers l'infini, cette solution tend vers 0. Donc ça veut dire que le système asservi linéaire est stable. Est stable. Donc le système asservi linéaire des amplificateurs opérationnels est stable. Et là, on a prouvé ça par la chaîne fonctionnelle. Donc le système est stable. Parce que si S de T tend vers l'infini pour des grands T, donc là on aura un système instable. En plus de ça, donc si on rajoute que l'amplificateur opérationnel est idéal, bah dans ce cas-là, Y est égal à 0. Et donc S de T est égal à directement 1 plus R2 sur R1 E de T. On a appliqué un pan diviseur de tension en R. Parce que les courants d'entrée dans les amplificateurs opérationnels sont nuls. Donc on a un seul fil. J'ai appliqué tout simplement le pan diviseur de tension. Et V plus qui est égal à E de T en régime linéaire, il y a V moins. Donc ça veut dire que V plus est égal à V moins est égal à E de T. Or, en appliquant un pan diviseur de tension, V moins c'est R1 sur R1 plus R2 S de T. Pour le critère. Voilà. Alors maintenant, on va voir un cas particulier. Le cas particulier, c'est lorsqu'on a une chaîne directe à fort gain. Donc, lorsqu'on a une chaîne directe à fort gain, le H, donc c'est toujours A sur 1 plus A fois B. Donc à fort gain, ça veut dire le A fois B et il domine le 1. Donc ça veut dire que ça, on peut l'approcher par A sur AB. Donc ça donne H qui vaut à peu près 1 sur B. Et dans ce cas-là, la transmittance ne dépendra que de B. Donc il ne dépendra que de la chaîne de retour. Un exemple, si on prend un mu0 est égal à 10 à la puissance 5, donc ça c'est le gain d'un amplificateur opérationnel, et B est la chaîne de retour pour l'amplificateur opérationnel, donc on a d'après le pan diviseur de tension, il y a R1 sur R1 plus R2, bah, dans ce cas-là, le H, il va être donné par A sur 1 plus AB. Mais puisque AB, donc puisque B est très très grande, donc ça veut dire que ça va donner 1 sur AB. Donc il y a 1 sur B. Et les H, c'est à peu près 1 sur, c'est à peu près 1 plus R2 sur R1. Et finalement, on trouve que la tension de sortie S de T est égale à 1 plus R2 sur R1 E de T. Voilà. Donc le montage de l'amplificateur opérationnel en rétroaction négative, en cas de le montage ADA, on peut dire qu'il est, donc c'est un système asservi
linéaire. En plus de ça, c'est un système asservi à chaîne directe à fort gain. Et on peut dire aussi que c'est un amplificateur inverseur, non inverseur. Non inverseur. Et on peut dire aussi que c'est un système à gain bande conservatif. Donc le gain bande conservatif, c'est lorsque la fréquence de coupure, donc la fréquence de coupure réelle dans les FAT, fois mu0, est égale à la fonction de coupure là fois h0. Donc cette relation, elle est importante. Maintenant, on passe aux propriétés dynamiques d'un système asservi. Donc, propriétés dynamiques. Propriétés dynamiques d'un système asservi. Donc on va supposer un système asservi dans la chaîne de retour, donc à porte transmittance constante, donc B0. On va supposer que la chaîne directe dédiée à la du système il se comporte comme un filtre passe-bas d'ordre 1, donc ça veut dire que A est égal à A0 sur 1 plus G oméga sur oméga C. Donc ça, c'est la chaîne directe. Et ça, c'est la chaîne de retour. Donc la transmittance globale, H, Raditz-Kohn-Hiya, donc A, donc toujours A sur A, B, donc à dit qu'on est A0 sur J plus sur 1 plus J oméga sur oméga C sur 1 plus puisque donc on a la chaîne de retour il y a B0 donc B est égal à B0 donc à dit qu'on est A0 sur 1 plus J oméga sur oméga C fois B0. Donc H radial doit sous la forme canonique H0 sur 1 plus G oméga sur la fréquence, la grande fréquence de coupure. Et on va trouver donc on va trouver H0. Donc H0 après simplification radical nous A0 sur 1 plus A0 B0. Et grand oméga C, c'est petit oméga C 1 plus A0 B0. Voilà. Alors maintenant, on va chercher l'équation différentielle associée. Donc, comme d'habitude, H est égal à la tension de sortie S de T sur la tension d'entrée E de T. On va remplacer G oméga par la dérivée. Donc, on a le S de T sur E de T est égal à H0 sur 1 plus G oméga sur grand oméga c. On transforme ça en réel et on trouve l'équation différentielle suivante, d de s sur dt plus grand oméga c s de t est égal à h0 grand oméga c e de t. Si on travaille dans le régime libre, donc en régime libre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'excitation extérieure, et e de t est égal à 0. La solution de l'équation différentielle sera s de t, donc c'est une constante fois exponentielle moins grand oméga c de t. Voilà. Et maintenant, on ne peut pas dire s'il est stable.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que le système a servi. Le système a servi de chaîne directe de premier ordre. Ça, on le voit parce que la fonction transfert de la chaîne directe, elle est sous la forme d'un filtre passe-bas de premier ordre. Mais maintenant, pour étudier la stabilité de le système, ben cela dépend de la valeur de oméga c. Il dépend de cette valeur. Si la valeur de oméga c est positive, pour t infini, s de t tend vers 0. Donc le système est stable. Mais par contre, si oméga c est négatif, il pourra être négatif parce que oméga c a la forme d'LA. Donc il dépend de ça. Donc ça veut dire que A0 B0, dès qu'on est négatif. Donc si oméga c est négatif, là on a une exponentielle croissante qui tend vers l'infini et on a un système divergent, donc instable. S de t tend vers l'infini. Donc le système est instable. Il reste un troisième cas. On peut avoir un oméga c qui est égal à 0. Et si oméga de c est égal à 0, donc là ça devient très intéressant. Donc on va tomber sur des systèmes qu'on appelle des oscillateurs. Donc on aura un oscillateur. Et cet oscillateur, il existe parce que le régime, il est libre. Voilà. Parce que E de t est égal à 0. On n'a pas injecté de tension d'entrée. Et le système, il va se mettre à osciller tout seul. Voilà. Donc même à E de t nul. Donc Ada, au moins, il y aura une étude du après. Alors, redonne un exemple. Exemple. Donc l'exemple qu'on va prendre, donc soit le système a servi, suivant. Donc on va avoir le schéma fonctionnel. Il ressemble à ça. On a donc la chaîne directe A, la chaîne de retour B. On a une réinjection. Supposons que l'entrée y a moins E. La sortie, c'est S de T. On a un dit epsilon. OK. Donc le epsilon indique moins E, donc l'entrée moins la sortie d'LB. Donc B va prendre S de T, aura des drapeaux moins B S de T. Donc ça veut dire à la sortie de B, on va trouver moins B S de T. Donc epsilon c'est moins E, moins la sortie de B, parce que la sortie de B est out, donc il y a une réinjection ici. Donc ici on va avoir moins B S de T. Donc c'est ça l'exemple. Alors maintenant on va essayer de prendre un exemple plus concret. On a le système avec des amplificateurs opérationnels parce que ça c'est juste un schéma fonctionnel théorique. Mais maintenant on va prendre un système réel avec des amplificateurs opérationnels. Donc, le système a un des S de T, bien sûr, par rapport à une masse. Elle a l'entrée inverseuse E de T. Et on va faire une boucle, donc une chaîne indirecte, une chaîne de retour avec la résistance R2. Ici, on a une résistance R1 qui est reliée à la masse. On a Y. Voici mon système. Alors, donc, le A. Le A ici, c'est la chaîne directe. La chaîne directe,
c'est la chaîne de l'amplificateur opérationnel. On a dit que l'amplificateur opérationnel, on peut l'assimiler à un filtre passe-bas d'ordre 1 sous la forme suivante. Avec mu 0, donc là la dernière fois, il y a 10 à la puissance 5, où la fréquence de coupure dans l'amplificateur opérationnel, il est de l'ordre de 100 Hz, 100 microcon libre comme ça. Donc c'est 10 à la puissance 2 Hz. La chaîne de retour. La chaîne de retour, il y a dit, avec les résistances R1 et R2. Donc on ajoute un pan diviseur de tension. OK. Donc c'est R1 sur R1 plus R2. Et ça, c'est une constante, Radins Meyer B0. Donc c'est exactement comme le système qu'on a étudié ici. Donc on a pris un B qui est constant, où la chaîne directe, c'est un filtre passe-bas. Voilà, c'est exactement ça. Donc, la transmittance H, c'est S de T sur l'entrée. Mais sauf que l'entrée ici, il y a Y. Y est égal à. Donc, il n'y a qu'un à la masse. Donc, Y est égal à V plus moins V moins. V plus est égal à 0 parce que l'extrémité est reliée à la masse. Donc, ça veut dire que Hadar a dire tenez S de T sur moins E de T. Parce que E de T, qu'est-ce V moins. Donc, V moins, c'est E de T. Ça, c'est. Donc c'est moins A sur 1 plus A fois moins B. Donc la définition de la transmittance. Donc H est égal à moins A sur 1 moins A B, qui est égal à moins mu 0, on remplace a et b par leur valeur, sur 1 plus g oméga sur oméga c, moins mu 0, b0. Et donc on trouve h0 sur 1 plus g oméga sur grand oméga c. h0, après simplification, donc la simplification est donnée des lunaires. Parce que H0 a dit qu'on voit moins mu 0 sur 1 moins mu 0 B0. Et oméga C, c'est. Donc oméga C, ça sera oméga C fois 1 moins mu 0 B0. Donc maintenant, on a mu 0 qui est très très grand. Donc ça veut dire que le terme mu 0 B0. Parce que mu 0, il est de l'ordre 10 à la puissance 5. B0, c'est un constant. Donc, ça veut dire que ça, il est très très grand devant 1. Donc, H, bah, approximativement, il y a mu 0 sur mu 0, B0. Donc, il y a 1 sur B0. Et oméga C, bah, approximativement, il y a moins oméga C, mu 0, B0. Et on remarque que oméga C est négatif. Donc s'il est négatif, bah, ça veut dire qu'on a un système instable. Donc on a un système instable. Donc si le système est instable, ça veut dire que le système asservi est instable. Et donc S de T qu'on soit plus Vsat ou moins Vsat, parce qu'il y a les limites des tensions. Parce que la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel ne peut pas dépasser plus Vsat ou moins Vsat. Plus ou moins Vsat. Ou le système qui est TSMA, un comparateur. Donc c'est un comparateur. Donc c'est un comparateur. Voilà. Maintenant, on va essayer de prendre un autre montage qu'on a déjà étudié précédemment, où est le suiveur. Un autre exemple, c'est le montage suiveur. Un montage suiveur.
Donc un amplificateur opérationnel. Et on va réinjecter l'entrée inverseuse avec la sortie en AND plus. Donc c'est E de T en AND S de T. Voilà. Mu 0, c'est 10 à la puissance 5. Et oméga C, c'est 10 à la puissance 2 pour l'amplificateur opérationnel. Donc on va faire les calculs rapidement. On va trouver la chaîne directe A. La chaîne directe A, il y a mu 0 sur 1 plus 1 plus 1 J oméga sur oméga C. Et B est égal à 1. Parce que la rétroaction, elle est vide en fait. Mais il n'y a pas de charge. Donc B est égal à 1. Donc H, c'est A sur 1 plus A fois B. Et on trouve mu 0 sur 1 plus mu 0 sur 1 plus G oméga sur 1 plus mu 0 fois oméga C. Alors mu 0 est très très grand devant 1. Donc on va approximer H. Il y a 1 sur 1 plus G oméga sur mu 0 C. Où la fréquence de coupure en AR, il y a tau est égal à 1 sur mu 0 oméga C. Donc ADA, c'est un terme qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 7. Donc c'est un temps. Il est proportionnel à un temps. Donc il est proportionnel à un temps. Voilà, hadak etima le temps de rapidité, donc hadak etima la rapidité dit le système. Donc c'est comme le temps de réaction du système. Donc il est très sensible, il est de l'ordre de 10 moins 7 secondes. Alors que il a maintenant le système dit le système inverseur, il a brillé la vitesse dielo. Donc pour calculer sa vitesse, radin. Donc pour comparer c'est là, pour comparer cette vitesse à celle du montage inverseur, donc le montage précédent, les derniers, le smito dialo. Donc la fonction, la transmittance dialo. Donc la transmittance dielo H est égale à H0 sur 1 plus J oméga sur grand oméga C. Ogna billa H0, il y a A0 sur 1 plus A0 B0. Au grand oméga C, il y a oméga C 1 plus A0 B0. On va transformer ça en équation différentielle, parce que ADI S de T sur E de T. On va obtenir d de s de t sur dt plus 1 sur tau s de t est égal à h0 sur tau e de t. Au tau, il y a 1 sur grand oméga c. Alors, puisque grand oméga c, il est très très supérieur devant oméga c, il y a ben là, parce que a0, b0, là, ils sont plus grands que 1. Donc, ça veut dire que tau 0, qui est égal à 1 sur oméga c, est très très supérieur devant tau qui est égal à 1 sur grand oméga c. Et pour le suiveur, tau dialo voit 1 sur oméga 0 oméga c. Et on ira déconcuber à la l'inverseur. Donc on va dire que le montage suiveur est plus rapide que le suiveur. Ou Aslan Radikoun est le plus rapide que l'amplificateur opérationnel. Voilà.
Voilà, donc d'abord, il faut les cas où oméga C, grand oméga C est égal à 0. Donc c'est ce qu'on appelle les oscillateurs quasi sinusoïdaux. Les oscillateurs quasi sinusoïdaux. Donc les oscillateurs quasi sinusoïdaux, vous mettez qu'un stable pour donc la fabrication des LGBF, des oscillateurs à relaxation. Et ils sont basés sur donc le phénomène de rétroaction. Le schéma fonctionnel de ce système. Donc le schéma fonctionnel d'un oscillateur est le suivant. Donc être qu'on a dès l'entrée, E de t est égal à 0 parce que c'est libre. Ok, il compte tout simplement ND, le A, donc un amplificateur. Relié à un quadripole parce qu'un dos quatre pattes oui quatre pattes donc deux d'entrée deux de sortie quadripole de réaction donc là c'est le A et ça c'est le B donc là c'est le retour R de T. Ça, c'est la sortie S de T. Voilà un des S de T. Voilà. Donc, à dire le schéma fonctionnel. Alors, d'abord, la question qu'on va se poser, d'où vient l'énergie qui alimente cet oscillateur? Parce qu'en fait, l'énergie, donc le signal d'entrée est libre, est égal à zéro. Donc, c'est un régime libre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une source d'énergie. Donc cette source d'énergie, c'est tout simplement l'alimentation symétrique de l'amplificateur opérationnel. Il ne faut pas oublier que l'amplificateur opérationnel, il est relié à une alimentation extérieure, donc plus ou moins 15 volts. Donc la source d'énergie de cette chaîne ou de cet oscillateur, et l'alimentation extérieure. Donc souvent, c'est plus ou moins 15 volts. Le quadripole B, c'est souvent un filtre, qu'on réalise bien un filtre. Alors, calculons la transmittance de cet oscillateur. Donc, d'abord A. Donc, A, l'entrée, c'est. Donc, la sortie, c'est S de T. Et son entrée, c'est R de T. Donc, ça veut dire que S de T est égal à A, R de T. Maintenant, le B. Donc la retour. Donc l'entrée d'IALA c'est S de T. Et sortie d'IALA est R de T. C'est-à-dire que R de T est égal à B S de T. Donc S de T est égal à A fois B S de T. Et A moins AB S de t est égal à 0. Donc pour que S de t soit différent de 0, donc le hal al-wahida, donc le seul cas où la sortie il peut pas être nul, c'est lorsque AB est égal à 1. Ou c'est la condition de Barkhausen. Donc c'est la condition d'oscillation. Condition
ou là le critère de Barkhausen. C'est le critère de Barkhausen. Voilà. On peut même aller plus loin, donc parce qu'on a A et B, c'est des nombres complexes. Donc le critère de Barkhausen complet, allez qu'on voit. Donc le module de A fois le module de B qui est égal à 1, et l'argument de A est égal à moins l'argument de B. C'est-à-dire que si on injecte un signal avec une certaine phase, donc la chaîne de retour, il va inverser cette phase. Voilà. Et souvent, c'est une inversion de 190 degrés. Mais cette condition, elle est facile à réaliser. Par contre, cette condition, elle est très compliquée à réaliser parce que, on a ce qu'on appelle une dispersion des caractéristiques des composants électriques. Donc, par exemple, si cette condition, c'est de. Donc, par exemple, pour avoir cette condition, il faut avoir une résistance qui est égale à 3. Mais pour avoir une résistance qui est égale à 3 piles, c'est très compliqué. On va toujours avoir une dispersion 3,1, 3,2 ou même 2,9. Alors, l'un des les oscillateurs les plus connus, les plus classiques, ou l'oscillateur de Wien. L'oscillateur de Wien. Donc l'oscillateur de Wien est constitué d'un amplificateur non inverseur. Donc moins plus. Donc non inverseur. Donc on a ici une résistance R2. Et une résistance R1, et ça est relié à la masse. Donc cette résistance R1, elle est reliée à la masse. Ensuite, pour la chaîne de retour, si c'est SVT, pour la chaîne de retour, on a dit que le B c'est souvent un filtre, ou le filtre qu'on va relier à la chaîne de retour, c'est ce qu'on appelle le filtre de Wien. Donc c'est un condensateur en série avec une résistance. Et le tout parallèle à une autre résistance qui est en parallèle à un condensateur. Donc, le premier, donc ce bloc-là, on va l'appeler Z2. Donc, c'est une impédance Z2 qui est égale à. Donc, on a une résistance R, condensateur C. Là aussi, on a la même résistance et le même condensateur C. Et ce bloc-là, on va l'appeler Z2. Z1, plutôt. Z1. Donc, commençons par Z2. Z2, c'est une impédance d'un condensateur. Donc, c'est 1 sur GC oméga plus R. Z1, c'est une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc ça va être 1 sur R plus 1 sur GC oméga. Voilà. Ou sinon, on peut aussi le calculer sous la forme suivante. Donc 1 sur Z1. 1 sur ZA est égal à 1 sur R plus GC oméga. Ça aussi, c'est une autre méthode. Donc maintenant, cherchons la condition d'oscillation de cet oscillateur. Donc pour chercher la condition, il faut trouver la valeur de A et de B. Donc commençons par la valeur de B, c'est la plus simple, donc la transmittance du retour. Donc l'entrée de B, donc B, ça va être la chaîne de retour. Donc Kadalekentest. Donc tout ce qui est parti là, constitué du filtre de Wien, c'est la chaîne de retour. Donc l'entrée de cette chaîne, c'est S de T. Et sa sortie,
C'est V plus en complexe. Donc, c'est ce fil-là. Ici, on n'a rien qui rentre parce que c'est un amplificateur opérationnel qu'on va supposer idéal. Donc, on va appliquer un pont diviseur de tension entre deux impédances. Donc, ça va être tout simplement Z1 sur Z1 plus Z2. Donc, c'est 1 sur 1 plus Z2 sur Z1. Donc, CB est égal à 1 sur 1 plus Z2, donc c'est R plus 1 sur GC oméga sur Z1. Et Z1, c'est, on a dit, donc 1 sur Z1, il y a 1 sur R. Donc, ça va être fois 1 sur R plus GC oméga. Je développe tout ça et je trouve finalement que B est égal à 1 sur 3 plus GR C oméga plus 1 sur GR C oméga. D'où B est égal, ou là 1 sur B est égal à 3 plus GR C oméga plus 1 sur GR C oméga. Très bien, maintenant pour le A. Donc maintenant cherchons A. Donc A, son entrée, ou plutôt sa sortie, bah c'est S de T. Et son entrée, c'est cette tension-là, c'est V moins. C'est V moins. Et entre S de T et V moins, on a aussi un pont diviseur de tension parce qu'on a ici un fil qui ne rentre pas dans moins, qui est comme ça. Et ça, c'est le V moins, ce point-là. Donc S de T sur V moins, c'est R2 plus R1 sur R1. Donc c'est 1 plus R2 sur R1. Et donc finalement, on trouve que donc si on multiplie A fois B, donc pour avoir une condition d'oscillation, donc pour que le critère de Barkhausen soit vérifié, il faut que A. Et lorsqu'on remplace A et B par leur valeur, donc on doit trouver que il faut que A soit égal à 1 sur B. Donc il faut que A, c'est-à-dire ça. Donc ça veut dire ce terme, il faut qu'il soit égal à ce terme. Donc c'est ça la condition d'oscillation. On peut le développer et on trouve que oméga est égal à RC et R2, il doit être égal à 2R. Donc c'est ça la condition de Barkhausen. Alors, cette condition, elle est très compliquée donc il est très compliqué à réaliser parce que supposons que R2 est égal à par exemple 1 kilo-ohm. Mais en fait, il faut que R1 soit égal à 2. Donc il doit être égal à 500 ohms. 500 ohms. Donc, par exemple, si on remplace R1 par une résistance variable, il faut varier cette résistance jusqu'à trouver 500. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne va jamais tomber sur 500, sauf un coup de hasard. Donc, il y a toujours des dispersions de voilà, 500,1, 500,09. Voilà. Donc, c'est ça la condition de ces oscillations Barkhausen. Maintenant, on passe à un autre type d'oscillateur, quasi-sinusoïdal, c'est la résistance. Donc, c'est l'oscillateur à résistance négative.
Donc l'oscillateur à résistance négative. L'oscillateur à résistance négative, son schéma est le suivant. Donc on a un amplificateur inverseur, R. Ici on a un amplificateur non inverseur, pardon, R2, RA. Donc ça constitue la chaîne directe A. Et pour la chaîne de retour, S2T, on va prendre un filtre, donc LC, RLC. Donc on va calculer l'impédance de cette cellule qu'on va appeler Z. Et après, on va expliquer pourquoi on l'appelle un oscillateur à résistance négative. Donc la première chose, on sait que le condensateur est donc s'il est en série avec une bobine, cela forme un oscillateur harmonique. Donc c'est un oscillateur harmonique qui va osciller à une fréquence propre qui est égale à oméga, est égale à 1 sur racine de LC. Mais à cause de cette résistance, donc cette résistance R, c'est la résistance interne de la bobine, on va avoir en fait donc la diminution de l'amplitude. Donc on a une décroissance de l'amplitude et qui va tendre vers zéro à cause de l'effet de Joule. Alors l'effet de la résistance négative, on va essayer de créer une résistance négative pour compenser R. Parce qu'une résistance négative, donc si on arrive à fabriquer une résistance moins R, donc en série avec R, ça fait R moins R, c'est 0, et donc on va avoir un oscillateur parfait, LC. On va essayer de voir ça. Est-ce qu'on a effectivement une résistance négative? Pour cela, on va calculer B, chaîne de retour. Sa sortie, c'est V moins. Donc c'est ça sa sortie. Donc c'est V moins. Et son entrée, c'est S de T. Pont diviseur de tension entre Z et R. Ça fait Z sur R plus Z. Donc 1 sur B est égal à 1 plus R sur Z. OK. Voilà. Maintenant le A. Donc la tension de sortie de A, c'est S de T. Et sa tension d'entrée, c'est V plus. Et un autre ampoule diviseur de tension, c'est 1 plus R2 sur R. On applique le critère de Barkhausen et on trouve que 1 plus R2 sur R1 doit être égal à 1 plus R sur Z bar. Or, Z bar, donc c'est l'impédance de ces trois dipôles en série. Donc l'impédance de la bobine c'est GL oméga, l'impédance du condensateur c'est 1 sur G oméga C, et l'impédance de la petite résistance c'est R. Donc c'est R. Donc si on remplace ça ici, ben on trouve que 1 plus R2 sur R1 est égal à 1 plus R sur GL oméga plus 1 sur G oméga plus petit r. On va essayer de prendre L oméga est égal à 1 sur C oméga. Et donc on trouve que R
doit être égal à grand R fois R1 sur R2. Donc voici la condition d'oscillation. Donc si petit r, donc cette résistance-là, s'il est égal à grand R fois R1 sur R2, le signal S de T en sortie sera un signal harmonique. De fréquence, donc c'est la fréquence pulsation propre du circuit RLC. Donc F est égal à oméga sur 2 pi, est égal à 1 sur 2 pi, racine de 1 sur LC. Donc ça veut dire que le schéma correspondant de ça, donc le schéma équivalent de tout ça, le schéma équivalent, ça sera tout simplement mon circuit RLC, mais qui est en série avec une résistance négative, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça, petit r, L, C. Donc tout ce bloc-là qui est là, il va être remplacé par une résistance qui vaut moins petit r. Ici, c'est et ça, c'est S de T. Donc, il va se mettre. Non, ça, c'est. En gros, ça fait ça. C'est un circuit. Voilà. Donc, on va voir un oscillateur qui va se mettre à osciller à cette fréquence. On peut même appliquer la loi des mailles. Donc on va avoir la tension en bande de la résistance plus la tension en bande de la bobine plus la tension en bande du condensateur plus la tension en bande de la résistance négative. Donc cette résistance-là, ils vont être les mêmes mais opposées. Donc ça veut dire que UL plus UC est égal à 0. UL, c'est L d au carré de Q sur dt au carré. Et UC, c'est Q sur C. Et voilà, on a un oscillateur avec, donc avec Q de t qui est égal à Q0 cosinus oméga t plus phi. Donc il va se mettre à osciller sans perdre d'amplitude. Donc ce montage, on l'appelle aussi l'entretien des oscillations. Alors maintenant, il y a un troisième type d'oscillateur qu'il faut connaître. C'est l'oscillateur à relaxation. Donc c'est un oscillateur qui est très particulier parce qu'on peut générer des oscillations sans utiliser un GBF ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est comme pour les autres oscillateurs aussi. Donc l'oscillateur à relaxation. Très bien. Donc l'oscillateur à relaxation, c'est le montage suivant. Donc c'est un amplificateur opérationnel, non inverseur. R2, ici on a une résistance R1, donc ça c'est la chaîne directe S de T. La chaîne de retour, on va prendre ici une résistance R, ici on va prendre un condensateur C. Alors c'est un oscillateur à relaxation qu'on appelle compact parce qu'on a utilisé un seul amplificateur opérationnel. Mais vous allez voir que il y a un autre type d'oscillateur à relaxation qu'un Smear, l'oscillateur à relaxation simple. Donc c'est deux amplificateurs opérationnels, deux blocs. Donc ça c'est un condensateur C. On va supposer que le courant, donc il arrive par là, il
Donc la tension à bord du condensateur, elle est là, qui vaut Q sur C, avec Q, c'est la charge dans les armatures du condensateur. Le Y, donc, il est vers le bas. Donc ça, c'est S de T. On va supposer que l'amplificateur opérationnel est idéal. Et on va supposer que la tension à la sortie en 0 est égale à moins V7. Alors ici, le système est instable. Ça, on le sait déjà, parce que là, on a une rétraction positive. On a vu ça les dernières fois. Donc il est instable, ça veut dire à la sortie, on va voir que soit plus V7 ou moins V7. On va faire une hypothèse, on va supposer que la tension à sortie est égale à moins V7 dans ce cas-là. On commence par calculer epsilon, donc epsilon de t. Donc epsilon de t, il dépend du temps bien sûr. Donc ça sera quoi? Ça sera V plus moins V moins. V plus, eh ben, il va être R1 sur R1 plus R2 S de t. Et V moins, c'est la tension au bord du condensateur. Donc c'est Q sur C. Mais attention, c'est avec un moins, donc moins Q sur C. S de T est égal donc on va appliquer un point diviseur de tension là, donc là dans cette zone ici. Donc on va avoir S de T est égal à Q sur C plus RI de T. En fait, ce n'est pas un point diviseur de tension, j'ai appliqué juste tout simplement la loi des mailles aussi. Parce que là, j'ai une maille, parce qu'il y a les courants de polarisation aussi, sont nuls. Donc, on a une maille. Donc, on a un S de T plus RI plus Q sur C est égal à 0. Yani billah, ça, c'est Q sur C plus R. Le courant, c'est D de Q sur DT. Et donc, je remplace S de T par la première. Donc, à certaines RC, D de Y sur DT plus Y est égal à RC. Donc, je vais poser ce terme-là. On va supposer qu'il est égal à un coefficient K. Donc, K D de S sur DT plus K moins 1 S de T. Voilà. Donc, j'ai ici une équation différentielle. Maintenant, on va résoudre cette équation différentielle. Mais avant de la résoudre, donc une petite remarque. Donc, puisque l'énergie, en fait, c'est une grandeur qui est continue, donc Q, la charge du condensateur, ou la tension au banc de condensateur, les IAV moins, ce sont des grandeurs aussi continues. On a vu ça en régime transitoire. Donc par exemple, Q à T est égal à 0 plus, il doit être égal à Q en 0 moins, par exemple. Donc maintenant, cherchons l'expression de Y de T. Donc on sait que à l'instant 0, la sortie c'est moins V7. Donc si à la sortie ST 0 est égal à moins V7, on va supposer que le condensateur elle était déchargé, donc Q pour T négatif est égal à 0, qui est égal à Q pour T positif. Donc on a utilisé la continuité de la charge au bord du condensateur. Donc l'équation encadrée devient RC D de Y sur DT plus Y est égal à 1 moins K V7. Ok, j'ai divisé par RC, ok, et je trouve ça, donc j'ai remplacé S de T par ça aussi. Maintenant, la solution de cette équation différentielle. Donc la solution, c'est Y de T est égal à V7 1 moins K moins l'exponentielle de moins t sur tau. Avec tau, donc c'est le temps de charge, c'est RC.
D'abord, il faut le basculement. Donc, la tension de sortir à des 12 maintenant V7 plus V7. Donc, supposons que T1 est le temps de basculement. Donc, le temps de basculement. Donc, donc ça, c'est T1. Donc, si avant T1, la tension VS est égale à moins V7, il y a T1, radé ou les basculement à dire plus V7. Donc, c'est-à-dire qu'avant Xenf, moins V7. Donc, radin Y. Donc, là, on a une condition. Donc une condition limite, donc Y à T1 moins est égal à 0. Parce que mes radis, en basculement, il y a un d'alors les 12, Y annule. Parce que Y, donc best 12 une grandeur, best 12 la valeur là, si on a un basculement, donc il est nécessairement epsilon doit passer par 0. Donc on remplace ça ici et on trouve que epsilon, donc T1 est égal à 0, est égal à Vsat Vsat 1 moins K moins epsilon T1 sur tau. Et on peut trouver T1. Donc c'est tau log de 1 sur 1 moins k. Alors maintenant pour retrouver epsilon T1 plus, on va utiliser la continuité de la charge entre T moins et T plus. Donc Q à l'instant T moins, donc c'est tout simplement moins KC Vsat. Parce que V moins, il y a Vs. Donc il y a Q sur C, d'après la relation qu'on a trouvée précédemment. Donc, ça veut dire que QT 1 plus, c'est KC Vsat moins C Epsilon de T1 plus. Donc, Epsilon de T1 plus est égal à 2K Vsat. Voilà, donc ça c'est l'hypothèse pour epsilon. Donc tout ça c'était une hypothèse pour S est égal à voilà, donc ça c'est la première hypothèse. Donc ce qui est compliqué avec l'oscillateur en relaxation, il faut faire deux hypothèses. Donc on va supposer que la tension à l'instant 0 est égale à moins V7. Maintenant on va supposer que S de T est égal à donc pour S de T est égal à plus Vsat. On va trouver l'équation différentielle Y, donc tau D de Y sur DT plus Y est égal à K moins 1 Vsat. Donc la solution de l'équation différentielle là, donc c'est K moins 1 Vsat plus une constante exponentielle de moins T T1 sur tau. On sait que Y en T1 plus, c'est toujours 2K Vsat. Donc ça veut dire que Y de T, on va remplacer ici par T1 plus pour trouver la constante. Donc ça veut dire que Y de T est égal à Vsat, K moins 1 plus K plus 1 exponentielle moins T moins T1 sur tau. Donc le basculement de plus Vsat à moins Vsat se fera à T2, tel que donc Epsilon en T2, parce qu'on est égal à 0, donc à chaque fois un des basculements Epsilon dans l'ordre qui est 2-0. Donc T2 moins T1 est égal à tau log de 1 moins k sur 1 moins
sur 1 plus k sur 1 moins k. Donc là, j'ai utilisé l'expression delta hein, qu'on a trouvée. Voilà. Donc d'abord, 0 mais presque. Donc, le cas suivant, il va se faire à partir de t1. Donc, le t1, c'est comme le temps 0 pour la deuxième hypothèse. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté moins t1. Donc, il y a quand même t1 moins 0 parce que l'instant initial, c'est 0. Mais l'instant initial pour le deuxième cas, s de t est égal à plus vsat, c'est moins t1. Donc, il y a un tiers s moins t1. On remplace k par son expression en fonction de r1 et r2 et on trouve que ça c'est log, donc tau c'est rc log 1 plus 2 r1 sur r2.